Comment écrire le résultat d'un mesurage en accordant l'incertitude à la valeur mesurée, et inversement. Dans cet exemple, nous avons mesuré une fréquence de résonance d'un circuit RLC. La mesure nous donne F égale 1125,32 Hz. L'incertitude a été calculée à 95%. On a delta F égale 6,72 Hz. Pour écrire le résultat du mesurage, on garde généralement un seul chiffre significatif à l'incertitude. Et on va accorder la valeur mesurée à ce chiffre significatif. On va donc arrondir l'incertitude à un seul chiffre significatif, ce qui va donner des unités d'Hertz. On va donc accorder la fréquence mesurée à des unités. Le résultat du mesurage va s'écrire F égale 1125 plus ou moins 7 Hertz.